c'est le lance. Ça passe ou ça passe, on gagne. Congo et c'est nous. On est les meilleurs. Ok. Les meilleurs sont à Congo. Les meilleurs sont à Congo. Seigneur, donne-nous la force et donne-nous cette victoire, papa. Parce que nous avons la foi en vous, Seigneur. C'est toi, papa, Jésus-Christ. Ne nous abandonne pas, Père. Nous sommes tes enfants. À toi la victoire, à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Amen. On va l'empiler. J'avais dit que le refus de ta vie n'est pas la fin du combat. Bonjour à tous, nous sommes le troisième jour des À Côté du Prime à Djamé Port-Boué que vous avez suivi le samedi dernier sur RTI1. Si à Port-Boué on se situait entre la confiance et la prière, à Djamé on était plutôt décontracté. Comment se sent à ce stade de la compétition? Pardon? Comment se sent à ce stade de la compétition? Bon, toujours confiant comme je l'ai dit au début. Mais là, on espère que la finale, on va la remporter. On est trop confiant pour ça. Dieu est fort. Pendant que se déroulait une des épreuves de cette confrontation, nos très chères Pom Pom Girls devisaient en coulisses. Est-ce que tu connais Marie Mola? Marie? Marie, te pousse pas, papa, 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 papa. Du côté d'Adjamé, on préférait plaisanter avec les accoutrements quand un des éléments de Port-Boué est venu jouer les accoutrements. Aujourd'hui, c'est pour Port-Boué. Seigneur, accorde-nous la victoire. Oh, papa. Ça, c'est pour vous. Pourquoi t'as des haines? Pendant que Mariam commentait l'épreuve qui se déroulait en ce moment, Yves se faisait refaire le maquillage. À la fin de l'épreuve, les sentiments n'étaient pas les mêmes. Non, oui, c'était assez fatigué. Tu es déjà fatigué? Faut commencer par là-bas d'abord. Il vient de finir ici. Ça, il vient de tirer là. Il vient de respirer un peu. Hein? Non, c'est pas, ça n'a pas été facile en tout cas. Ça n'a pas été facile. Adjamé est devant. Ouais, hein? Ouais, mais. Vous pensez pouvoir remonter la pente? On espère bien. On espère bien. Il faut reconnaître que le jeu n'est pas facile. Sinon, c'est comme une finale. Franchement, c'est un sport qui a besoin de souffle. Et nous avons gagné. De toute façon, on aura le temps. Et je pense qu'avec cette dernière épreuve, on va voir si on peut se rattraper. On espère qu'on pourra. C'est sur ces notes d'espoir que nous disons au revoir. À demain, même heure. La bite, elle a triché. Moi, chaque passant a droit à 2 ou 3 minutes. Mais celui-là a fait plus de 5 minutes, il n'a pas situé la fin.